Autriche, c'est, dit-on, le jardin des rallymen français, celui de Delecourt et d'Auriol. Et pourtant, c'est un Allemand, Armin Schwartz, qui met le feu aux poudres, Schwartz qui enflamme l'Ardèche. Schwartz, le plus rapide à Entraigues et dans la souche, Schwartz et puis aussi Colin McRae. Deux qui sont partis comme des kamikazes pour faire exploser la course. Les seigneurs de la guerre accusent le coup, mais ils ne s'affolent pas. Auriol. Delecourt. Sainz. Cancunel. Ils savent tous que les deux autres courent au casse-pipe. Et puis, il y a le Burzé et ses pièges, le Burzé et sa glace. Le Burzé, comme juge de paix du rallye, est là, Didier Auriol et François Delecourt rétablissent l'ordre des valeurs. La hiérarchie est maintenant respectée. Schwartz et McRae sont sortis, 15 minutes de perdu pour l'un, 40 minutes pour l'autre, c'était du suicide. Est-ce que tu as été surpris d'entrer par les temps réalisés par Schwartz, surtout, et par Colin McRae? Bah, on est habitué de toute façon. On est habitué par leur sortie de route, mais pas par des temps comme ça à Monte Carlo. Oh, Schwartz a été très souvent en tête, Monte Carlo, Corse, dans des rallyes comme ça, pendant peu de temps. Quand on roule comme ça, c'est sûr, ça peut passer, mais ça passe rarement longtemps. Bon, les conditions comme ça, si tu prends beaucoup de risques, tu peux faire quelques temps. Après, ça passe, qu'est-ce que ça passe? Le rallye Monte Carlo se souviendra longtemps de l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé à Saint-Agrève. On fait la fête à Ragnotti. Ici, tout le monde est sur le pont pour bien montrer la fidélité de l'Ardèche au rallye Monte Carlo. Et puis la course reprend, rythmée déjà par le duel annoncé entre Delecourt et Auriol. Auriol et Delecourt, les deux Français, qui se regardent en chien de faïence. Un duel qui tourne court après la sortie de route de Didier Auriol. Je suis arrivé dans le droit, la voiture a sous-viré, beaucoup. Et là, j'ai vu que j'étais en mauvaise trajectoire, donc il m'a fallu mettre la voiture très violemment en dérive de l'arrière. Ça s'est bien passé jusque-là, ça se passe très vite tout ça. On a pris la neige sur l'arrière d'abord, la voiture est revenue pratiquement en ligne droite, mais elle est un petit peu sur la gauche de la route. Donc on était les deux roues dans la neige, les deux roues à gauche dans la neige un petit peu. Et j'avais beau braquer à droite, la voiture n'a jamais voulu revenir les quatre roues sur la route. Et on a glissé dans le fossé et on est descendu, juste on s'est arrêté contre un arbre. Débarrassé de la menace Auriol, Delecourt se doit de dicter sa loi. Même si le remuant Armin Schwartz remporte un troisième scratch en 6 spéciales. Il n'aura commis en fait qu'une faute, mais une faute qui lui coûte cher. On sait maintenant que les Mitsubishi sont dans le coup. I'm the pretender. Pretend. On sait encore que Carlos Sainz est un sérieux prétendant à la victoire. Tender, drifting war of
À Valence, c'est Delecour qui entrera en tête, mais tout reste à faire. François, sincèrement, est-ce que tu pensais te retrouver en tête ce soir à Valence, alors que je t'ai vu tout à l'heure à Saint-Agrève et tu disais que tu avais été impressionné par le temps réalisé par Auriol dans Burzet? De toute façon, Didier n'est plus là maintenant, mais c'est sûr qu'on l'aurait eu certainement très dur avec Didier. Dans le Burzet, il est allé très très vite. Moi, j'ai pas mouli, je pensais réellement à l'arrivée faire le scratch, et quand j'ai regardé le temps, je crois 9 secondes plus vite. J'étais assez étonné et je me suis dit merde, je crois que tout le rallye sera un petit peu à cette image là, c'est à dire qu'on aurait subi peut-être la loi Toyota. Maintenant le rallye, c'est encore une fois ça, c'est une science complètement incertaine, et ce soir ça fait une Ford et François Delecour en tête, tant mieux pour nous. Le lendemain, François Delecour emmène la meute. Sainz est à 22 secondes. Kankkunen à 25. Et Biasion à 49 secondes. Youhou! C'est là, dans le Vercors, que François Delecour a décidé de frapper un grand coup. Et Delecour se déchaîne. Il fait une véritable razzia dans le Vercors, puis en Chartreuse, c'est lui le maître. 5 sur les 6 épreuves de la journée sont à mettre à son actif. Il n'abandonne aux autres que des miettes. Kankkunen aura un ultime sursaut tout en fin de journée pour sauver l'honneur et reprendre 12 secondes à son rival. Sainz, en revanche, a passé une bien mauvaise journée. Mal inspiré dans le choix de ses pneus, il a laissé filer de précieuses secondes. Et puis Sainz, comme tous les pilotes de pointe, n'a pas beaucoup apprécié l'absence de neige dans la Chartreuse. Je pense que vous prenez beaucoup de risques dans ces spéciales trop rapides. Oui, le village, même l'organisateur qui prend le risque. Si nous prenons le risque, l'organisateur qui prend le risque. Si quelque chose ça passe, c'est pas bien pour tout le monde, c'est pas seulement pour nous. Et s'il n'y a pas une autre chose, ok, il y a beaucoup, beaucoup de très, très belles spéciales. Bon. Quelles sont les vitesses atteintes dans ces spéciales les plus rapides? Tu prends des 200 km à l'heure, beaucoup, beaucoup de temps. Tu vas en 6e, 5e. Je pense qu'avant, le rallye, c'est différent. Avec les Mini Cooper, avec ça, 10 ans avant, peut-être tu peux faire un spécial comme ça. Pas avec les voitures. C'est l'opinion de Carlos Sainz, mais celle aussi des autres ténors de la course. Même si derrière les trois qui se font la guerre en tête, Mickey Biasion a du mal à soutenir la comparaison. A l'inverse du Belge Bruno Thierry, qui réalise des prodiges pour sa première course au volant de l'escorte. Et que Kenneth Eriksson complète le panorama international de cette seconde étape. Un peu plus loin, c'est le baston entre Orey et Ragnotti, les frères ennemis de chez Renault. Jeannot,
c'est la guerre avec Alain. Ben oui, la champion de France, c'est à peu près pareil à chaque course. C'est surtout vraiment un ex-aequo, quelques secondes devant, quelques secondes derrière. Toute la vie, c'est comme ça. Alors, on est habitué, on n'est pas surpris. Mais... C'est la guerre sur la route, c'est la guerre sur les parcours de golf. Et après, c'est l'habitude qui se met ensemble. En fin de journée à Gap, Delecour entre en leader, mais Kankkunen ne veut pas abdiquer. Étant donné que Didier Auriol, ton rival numéro 1, n'est plus là, tu es peut-être un petit peu démobilisé. Non, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de retrouver une motivation. Je me suis peut-être un petit peu endormi tout à l'heure dans la spéciale, mais c'est très difficile d'être constant en performance. J'ai été constant jusque pendant 5 spéciales environ, et la 6e, non. Donc tous les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière? Il n'y a rien arrivé. C'est extrêmement difficile de rester concentré, d'être toujours au taquet, toujours attaqué. Et entre l'attaque maximum, la prise de risque et assurer un petit peu, c'est une différence qui est minime, qui n'est pas palpable. Et c'est ce qui m'est arrivé dans la dernière. J'étais un peu en deçà. Il y avait beaucoup de coulées d'eau, je me suis dit, c'est peut-être pas ton jeu de prendre des risques. Maintenant la pub et tout de suite après la marche triomphale de François Delecour vers la victoire à Monte-Carlo. Quand les hostilités reprennent, il fait encore nuit sur les Alpes. François Delecour n'a pas vraiment digéré les 12 secondes qu'il a dû concéder la veille à Juha Kankkunen et il tient, sitôt sorti de Gap, à prouver que c'est lui le patron de la course. Et c'est lui qui met le feu à cette journée en laissant Macré à 4 secondes, Schwartz à 8, Eriksson à 24, Kankkunen à 25 et Carlos Sainz à 36 secondes. Si les positions semblent figées en tête de la course par l'omniprésence d'un Delecour à la clairvoyance affinée, on doit bien admettre à ce moment-là que Schwartz, comme Colin McRae, ont des fourmis dans les jambes. Ils ont oublié en fait leur mésaventure du début de course et ils montrent alors combien il faudra compter avec eux cette année. On en est là de ces constatations quand les Subaru frappent un grand coup dans Fombelle. Macré met Delecour à plus d'une minute alors que Sainz reprend d'un seul coup 54 secondes au leader du rallye. Les Subaru ont fait le bon choix de pneus. Et dans l'esprit de François Delecour, c'est bien Carlos Sainz qui représente maintenant le véritable danger. Pouvoir gérer, mais malgré tout je pense que Kankkunen et Sainz cette nuit iront très très vite parce que Sainz veut récupérer, essayer d'avoir la deuxième place, donc tous les deux iront très très vite. Il faudra quand même pas que je traîne en route. Fombelle en vérité est réputé pour bousculer l'ordre établi et les Renault Clio qui se tirent une bourre pas possible depuis le début vont sombrer l'une après l'autre. Sortie de route définitive pour Oreille et grosse touchette pour Jean Ragnotti. Et la Clio n'ayant jamais couru non plus sur le goudron avec des pneus clous, parce que quelquefois il en faut, là on avait un col enneigé à franchir, donc on était obligé de mettre des clous. Et sur l'asphalte, le comportement du pneumatique n'était pas bon du tout. Ça n'a rien à voir avec Michelin, c'est le fait qu'on n'ait pas eu assez de temps pour faire nos essais sur asphalte avec Michelin. Et la voiture était très difficile à conduire. Alain Auray en a fait le premier. Moi, quand je l'ai vu arrêter, j'ai ralenti, mais malgré le ralentissement, dans la descente, la voiture était très très instable. Et même sans aller vite, à un moment donné, la route était étroite. J'ai pris un petit bas-côté, la voiture est partie en travers, et ça m'a envoyé dans le fossé. Et dans le fossé, malheureusement, il y avait un parapet de pont qui a arraché tout le triangle et la transmission. Au sortir de la spéciale, l'assistance Renault doit réaliser des prodiges pour permettre à Ragnotti de poursuivre sa route. Est-ce qu'il y en a qui peut mettre la vitre au-dessus là ?
Avant la halte de Monaco, les trois hommes de pointe se neutralisent en prévision d'une nuit où personne ne veut prendre de risques. François Delecour et Daniel Grataloup. Je connais trop le rallye pour savoir que rien n'est acquis avant la dernière spéciale. C'est la raison pour laquelle on est extrêmement prudent, Daniel et moi, et surtout philosophe après tous les coups dans la gueule qu'on a pris sur ce rallye. Est-ce que tu considères, toi qui as déjà gagné le Monte Carlo, que le rallye est déjà fini? Pour moi, oui. Pour moi, Delecour a gagné à la Monte Carlo. Il faut faire les spéciales, bien sûr, mais s'il fait la course avec la tête, il pense que c'est un problème. C'est vraiment très difficile. S'il n'a pas de problème, l'écart est maintenant trop important. Si rien n'est véritablement joué au scratch en Groupe N, en revanche, Pierre-Manuel Jeunot, le chauffeur de taxi monégasque, a largement maté Jesús Puras, son rival espagnol. Avec plus de 3 minutes 20 secondes d'avance, personne ne pourra maintenant lui voler sa victoire. Pierre-Manuel, une victoire, les doigts dans le nez en Groupe N. Non, faut pas dire les doigts dans le nez parce que c'est jamais évident. Au départ, il y avait beaucoup de concurrence. C'est vrai que bon, la première étape, on est parti en faisant le maximum. Et on a eu la chance de creuser des écarts parce qu'on n'a pas fait d'erreur de pneus. Bon, certains adversaires en ont fait. Et on s'est retrouvé rapidement en tête avec une confortable avance. Quand il quitte Monaco pour la nuit de tous les espoirs, François Delecour a un petit peu la tête dans les étoiles. Son avance sur Kankkunen est d'une minute 33 et de 2 minutes 04 sur Carlos Sainz. Il faudrait un cataclysme ou un méchant coup du sort pour qu'il soit privé de la victoire. Soudain, après le Turini, les premiers temps tombent et c'est la douche écossaise. Delecour concède 36 secondes à Sainz et 28 secondes à Juha Kankkunen. Tous les démons des trois dernières années viennent alors hanter les esprits de tous ses supporters. François serait-il vraiment maudit? On saura plus tard qu'il avait décidé de ne prendre aucun risque. Et après avoir digéré quelques petits problèmes de frein, il allait très vite mettre les pendules à l'heure. La route du triomphe lui est enfin ouverte. Kankkunen et Sainz n'y peuvent alors strictement plus rien. C'est l'heure où l'on fait les comptes. Pour une seconde seulement, Bruno Thierry est privé d'une cinquième place amplement méritée au profit de la Mitsubishi d'Ericsson. Dommage pour le Belge. On se sera extasié aussi devant le brio de Schwartz, 7e, et de Macrae, 10e, comme on aura noté les performances des petits Cinquecento, de Bartolini et de Priscille de Bellois avant son abandon. Et maintenant, place au bonheur de celui qui aura attendu 4 ans pour connaître le triomphe dans un Monte Carlo qui lui fut promis pourtant dès le début. C'est réellement le rêve d'enfant qui se réalise. J'ai rêvé face à Waldegard, Nicolas Darniche, qui gagnait le Monte Carlo. J'écoutais la radio de mon nord paumé, RMC, et aujourd'hui bah, je me trouve à la place de ces gens-là, et c'est sûr que c'est difficile parfois à réaliser. Maintenant, j'ai aussi envie de dire justice est faite par rapport à l'an dernier, par rapport à 91 surtout, et c'est super. Après bien des désillusions et quelques coups de malchance, François Delecour a remporté ici la victoire la plus méritée qui soit. Une victoire qui lui a échappé par deux fois in extremis et qui lui ouvre donc aujourd'hui toute grande les portes du championnat du monde. Bravo à toi, François.